ويثي ذي تولي انتي كو سانك ولا متيد من المكان ند اسمك ني غد نوغال هذا السيد السلقاي ثلاث غاغ فيه ونكني ونصنفار أسرث أن يعني منقار الانيسياتيف بوليتيك وكني أد السلالن يون مسور نغا كافار أصنفار كاكير أسرثان مسمان كاكير بيرسبكتيف ألجيريان وكير ذماس ياسين أسيوان ما ينير زوف لك ياسين زوف لك رشيد زوف لك وإذا عدي سمحسي ستن ميرتي كمير دار هذا المسلاي كاكير أفوصن فارا كير هاد سلالن نغا نحونا كيوكنا الدلال ذا غنى المسلاي فاين يكو يشدن نغا في سلن كاكير يقضرون كاكير وسنا كاين ذي قلنا انا سرتان ذي ثموث ني قبايليين ذي الجزائر كي سوماتا لذغا غاد مسلاي اف مولين نا سميكتي ماشي ذا مولين سميكتي يون مغناس ومغناس ام فرحان نتسرفي ثنتماكي ثريجان اسن 31 يناير 94 رشيد تيكزيرين نتسان ياسين السيوان اللي روح حاضرين وكني غادي لي دوك سميكتي كي لكن النوي امسلاي غني فين يضرونا كان اي جي اس كان السنه كي داغون دي تاغان اي توقثم سلاي داغني اف عشام عبود اي ديفرونسيو سنتوا فران دي سيليزغير ان بربر تلفزيون نغاس نكتي ياسين واحد نسقردش أمسلي غافونش تكي أنا سينير يتكيف نظام ياسين زوفلاك تكسي كان مزوابو سو مثلا ياسين ذاو يفنا تصمد ذا شو ذا كان وصنفان كينا مينوث المسمام بيرسبكتيف ألجيريان تنميرتيك عبد الرشيد الانيسياتيف كي ما فيد عبد الرشيد بيرسبكتيف ألجيريان سيك انيسياتيف كون لانسي صافي ان بون مومون مي تو على لور بلي لي كونديسيون سانيتير ني بيرميت با un exercice politique plus intense. Donc, on a dû mettre entre parenthèses beaucoup d'activités qu'on avait initiées au départ. Donc, le COVID, la COVID-19, l'initiative, c'est une initiative lancée par beaucoup de jeunes, énormément de jeunes, des femmes et des hommes, à travers toutes les wilayas du pays. Mais aussi l'immigration, il y a des Canada, des Français, de l'Allemagne, en Angleterre. Il y a aussi des éléments qui sont avec nous aux USA. C'est une initiative politique qui vise à créer un mouvement politique qui va créer un rapport de force. L'initiative Guinard, elle porte la double rupture. La rupture avec le système militaire qui a prévalu en Algérie depuis l'assassinat d'Abdelmadjid Tebboune El-Seghir, mais aussi rupture avec sa bique idéologique de toujours, qui est l'islamisme politique, l'islamisme tout court, l'islam politique. Donc la bique Yagir, elle est représentée par Rached, le mouvement Rached, qui est une organisation terroriste, donc c'est les anciens terroristes du FIS, qui se sont recyclés dans une nouvelle organisation, en croyant qu'avec un new look, ils peuvent tromper l'opinion publique. Soualev Mourad Bihina, qui est un ancien responsable de FIDA, spécialisé dans l'assassinat des intellectuels, il occupe le poste de coordinateur de cette organisation. Et cette organisation, elle est affiliée au Congrès de la Nation, Mu'tamar al-Umma, dirigé par un terroriste koweïtien qui s'appelle Hakim al-Mtere. Leur congrès, il est tient en Turquie, donc ils sont financés par les Turcs et les Qataris. Donc, c'est une initiative politique qui est un projet de renouveau. Nous voulons une démocratisation de l'Algérie, nous voulons une modernisation de l'Algérie, nous portons l'Algérie laïque, démocratique et républicaine, mais cela ne peut se concrétiser sans mettre fin à ces deux mots qui ont rongé l'État algérien depuis l'indépendance. Donc le système militaire, la caserne, et sa piquée idéologique de toujours, l'islamisme politique. Donc, il y a une communauté de l'air, c'est une initiative qui est portée par plusieurs jeunes. Zahla Rouharan, à Constantine, à Tizi Ouzou, Bjayan, à Tamnara Seut, dans toutes les wilayas du pays, il y a des jeunes qui ont envie de se débarrasser de ces deux mots et de croire en cette Algérie laïque capable de se prendre en charge et de prendre le train de l'histoire comme il faut.
دونك تشيني ياسين دوك هذه كيقولني هذه كيبانات سن كان صنفا كي مو سمان بيرسبكتيف الجيريان ثم نم باللي قلنا غسرثان الجزائر ولا شي كي وي ذي تمسلاين سيس ما كي يعني من قرن في الطور في مارتاين فيرمو في مارتاين لا دوبل ريبتور كان سن كان الشوب بوليتيك الجيريان ولا شي كي موفمون ان بارتي كي بونس او جور دو بروجي واش كيف كيما وصلنا فراك يا ياسين à Saboussin, il n'y a aucune structure qui assume ce genre de discours. Il y a des personnalités politiques qui l'assument, mais il n'y a aucune structure qui l'assume. Il y avait ce qui est le RCT, mais le RCT a fini par rallier Rached, ils ont fini par signer un document rendu public, mais dont la partie tacite de la feuille de route, on ne connaît pas. Donc, ils ont fini par rallier Rached, ils ont fini par rallier les islamistes, notamment Dina. À Saboussin, il n'y a aucune structure qui porte ce discours. Et ce discours, c'est le seul salut qui reste à l'Algérie. Si nous voulons sauver l'Algérie, il faut se débarrasser des militaires, mais il faut se débarrasser aussi des islamistes. Parce que Ouïghia est Tichoudun depuis l'assassinat d'Ben Armand Ressegh. C'est une coalition infernale qui a mis à genoux l'Algérie. Peut-être pas seulement l'Algérie, je dirais toute l'Afrique du Nord. En Souhélien, il est Varon et Tunis. Nous avons tous suivi les déclarations de Mansour Marzouk, l'ancien président tunisien, qui dénonce les ingérences émiraties dans la gestion des affaires tunisiennes. Ce sont des dérives pour essayer d'imposer leur idéologie islamiste un peu partout dans toute cette région nord-africaine qui est une région profondément amazigh. دغه ثاني انشد اسنت لك مزوغو اسنت الوستين غادنا هو مسلي في اللاس داس مكثير كي كنت متسانت نتمنى غير ثانيون ونغماس كي نتوكذوث ام فرحان رشيد تيكزيرين رجان دغبا و 90 31 يناير من المكان ديال اللي وسمكتي نسند توقف انك كي وكادي دروحن يوكني اتي سمكتين ثلاث يا راسن ياسين ذا شو غادي نضاف نشتكي ياسين اسمكتي الواجب في لنا غدا رشيد الواجب في لنا غدا برافي لي موتون مي الواجب في لنا سي بور اكليري لافونير ديني دنيغ دينا دي تدرتيس دي تدرت رشيد تيكزيري بوركوا اكليري لافونير باسك سي اون ne commémore pas suffisamment nos morts quand je dis commémorer nos morts c'est toute la société qui doit prendre en charge cela parce que si on ne le prend pas en charge on risque d'assister ce qui est le cas aujourd'hui à un révisionnisme de l'histoire. Oui, les Burundis, les démocrates qui les défendent. Il y a une morale de la société, la société se prend pour un démocrate. Il y a une morale de la société, dernièrement, je n'ai jamais dit que les élections de 92 étaient les dernières en Algérie. Jamais n'y a d'un qui dit que la démocratie est coffre. هناك قلت انا قالها الشيخ عباس المدني هناك جامي ناد شغل هكا مي ما راتوغا لوغ هوروزمون كو لي زارشيف اكزيست ما توغا لا بيريود دي زاني 90 علي بالحاجه في دي كليرمون كو سي il gagnait les élections ça serait les dernières élections en Algérie ils se préparaient à prendre les armes à prendre le maquis bien avant les élections d'ailleurs leurs actes terroristes parce qu'il y a des gens qui essayent de les blanchir à sa guerre malheureusement même dans le camp démocratique leurs actes terroristes ont commencé bien avant les élections. Kemal Amzal a été assassiné bien avant le processus électoral, bien avant qu'il y ait aucune élection en Algérie. Donc, il faut que la société se prenne en charge, il faut que la société s'organise, il faut qu'on commémore nos morts. C'est quand même ailleurs, là où le terrorisme a sévi, c'est la même chose, ils doivent commémorer leurs morts, ils le font. Mais nous aussi, nous devons nous organiser, nos villages doivent s'organiser pour que chacun puisse commémorer son mort, les martyrs convenablement. Et c'est une mission de tout un chacun. Ça nous permet d'éviter ce genre de dérapage, ce genre de dérive, ce genre de faute à l'avenir. Parce que même Kimla Kagir, l'objectif, c'est la prise du pouvoir. Après, on connaît le schéma final avec eux.
سيرة ياسين أيدي الهان كي تقوار فقبيلي غير قبيليين اسمك ثاني ديك كي غطاس يال سكوس نتوالي غطاس اسمك ثاني اما ذي نازورن ذي شناين ذي شبان سليمان ازم الوكا ذي كوريت جان اما ذي مغناس توكذو تاكي وكا ذي موثني غاندي ثلاثني سكوس نتساين ذي شبان مصطفى باشا يعني الهان في كو القبايل تسمكتين وشكين إلا قد يقيمي الفذان يوكني ونستويا غاشي قدران زيك يوكني نهجي أزكان نغ شكار يا وين سنت اللويس ثلاثة ياسين كتيني دام أزكان وي وي دون مون فيلاج مون فيلاج كون سيت سيت فيكتيم دو تيرورين نو سوم ان فيلاج ريزيستون نو سوم ان فيلاج كي ريزيستي au terrorisme islamiste, qui a pris les armes. Et dans mon village, nous avons 7 victimes du terrorisme. Il y a une fresque, parce que je me rappelle, il y a une fresque qui reprend leurs photos. Pourquoi? Pour la mémoire, pour travailler la mémoire, pour que demain, on sache ce qui s'est passé, pour que demain, on évite les erreurs passées, voilà. Pour que demain, les terroristes ne reviennent pas et se prendre pour des victimes. C'est le cas, malheureusement, avec la complicité de certains démocrates. أياسين كتشيني يقول لنا كي ذا مازال قفوا كي ماذ جيمني ماذ لير سي دي دوكا فيغ لير سي دي اكس ديبوتي اي اكس موم دو لير سي دي تموت دي تموت من تيزي وزو دونك دي تيزي وزو ثانك تمثال تيقدرون كا يجي اسكا وسانكا ويوفن اديني ياسين يا سيوان سيوان داشو Bien sûr, ce qui se passe à la GSK, la Wilaya, nous concerne tous, parce que nous sommes avant tout citoyens, et un citoyen est censé être acteur de ce qui se passe dans la vie de la société. Donc, Seboussen, la GSK, elle est une cible, on le voit, c'est la cible du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de ce qui se passe à l'intérieur de la GSK. D'abord, la GSK s'est débarrassée de la présidence d'honneur de Bouteflika. Ça, c'est une première chose. Mm-hmm. Et ça, c'est un signal politique fort. On se débarrasse de Bouteflika comme président d'honneur et on remet à la tête de la GSK comme président d'honneur Issa Darbrab, qui est un enfant de la région et qui est un entrepreneur algérien très performant. Donc, ça, c'est un message politique. Deuxièmement, la GSK, ce n'est pas seulement un club de football. On se trompe. Pour ceux qui disent, pour ceux qui veulent la réduire, la GSK à un simple club de football, c'est une duperie. La GSK, ce n'est pas seulement un simple club de football. La GSK représente l'identité. La GSK représente le combat de toute une région. La GSK représente l'espoir de toute une région. Donc, rien que pour ça, il faut qu'il y ait des hommes capables de prendre en charge ses aspirations. Le football est une chose, mais ce qu'a représenté la GSK Bilé jusque-là, c'est très important aussi. On ne peut pas faire venir quelqu'un qui dit sur les plateaux un président qui gère le club qui va pour باش يسلف دراهم على الناس ويروح للدشور ياكل الطعام والعقليه نتاع معطوب وما معطوب وكذا ne peut pas on peut pas mettre à la tête de la GSK quelqu'un qui ne considère pas un symbole de la région comme l'Ounes Matoub. D'autant plus d'autant plus Matoub l'Ounes c'est dans les coréens pour la GSK. Pour la GSK effectivement. Donc Marathouader une duprième fagir pour prendre en otage la GSK, encore une fois, après l'avoir mis en otage pendant longtemps et avoir mis à sa tête Abdelaziz Bouteflika, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Le sauvetage de la GSK est l'affaire de tous ses supporters. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait ouverture de débat, il faut qu'on discute. Et il faut qu'il y ait ouverture du capital aussi pour que la GSK puisse se prendre en charge financièrement. Mais il n'est pas question de faire venir quelqu'un qui ne partage pas l'identité de ce club de football. Yes.
ساتن سلم دي ياسين نسيوان ودقا تمثلت نجاسكا ماشي تمثلت نود الكان تمثلت تزمولانت يشدنا ثمكي دونك سيمبوليك ايدونتيتير الا قتنايا اكن من لله ماشي كان وكاد كي يشدن هذا السبور دونك كاع يا وين تسنت الانكار وان كويس هذه وين تكي غاي لينك دي لانك دي ياسين اسيوان يتقثم سلايو سنكي وفغا نيشا معبود ويفنا تشيني ضغط سوفر ديون بولغو وزيفا كي في مسالت النيا ويفن الدنيا ذا شي دي لان بولغو نيا مع الكوميونيكي اللي تقوم مضى ياسين الكوميونيكي اللي يخدم عن كيني سي بوكو بلوس ان روبروش اميكال بربر تيليفزيون. Pourquoi? Parce qu'elle fait venir un agent de la sécurité militaire et elle le présente comme journaliste. Et ça, c'est une grave erreur, à mon sens. Parce que Nsinkamel Tarouer, quand il a envie d'aller au fond des choses, il y va. Mais avec Hichem Aboud, il a été très passif. Donc, c'est ce que j'ai voulu lui reprocher. Berber Télévision lui accorde un droit de réponse, il n'y a pas de souci, elle lui accorde, mais on ne présente pas un agent de la sécurité militaire comme journaliste. Il a été infiltré dans le corps de la presse depuis les années 75. On ne présente pas un infiltré comme journaliste. Et c'est le reproche essentiel que j'ai voulu faire à travers le communiqué que j'ai publié sur ma page à Berber Télévision. بالك تمثلنا بربر تلفزيون مي بريزونتين عيشه معبود جورناليست هذا الغماس وشو باسكو يخدم يسعس لي غميسن جريده تيراك الجورنال حسفه بويش بان شي مد رساله يون الشاوي ثالث من اغميس يو ذاكي تتنقط ذاين النظام وذاغني اشكو يسعى تلفزيون ام ال تي في شنو هاتي جانت مثلا باب التلفزيون كامل طروات وما تكرا زول ذا حمايان يغث ذا جورناليست ذا شادي ذا فاش تاكي مي ذا شوك دني غاد راشيد جوستومون اكيد قرا بلي غاركاز كي سيت ان اجون دو لا سيكوريتي ميليتير انفيلتري دون لو موند دو لا باريس بور لا مانيبيلاسيون بور لا ديفيرسيون بور détourner l'opinion populaire. C'est ça le problème. Parce qu'Erguezegui, avant qu'il ait le Kiskarn, Hichem Aboud, mon journal, l'Algérie, MLTV, il était directeur de l'AC, il a des Chabes, donc il a des Moudjahed, il a fait la presse du système. Il a été responsable, désigné par le corps militaire à l'époque. Il l'a même dit, il a été désigné par le corps militaire. Richard, la sécurité militaire, ce n'est pas des informations que j'invente, c'est sur sa page Wikipédia, via l'Internet, a intégré la sécurité militaire en 1975, 20 ans, à Chine de la sécurité militaire, 5 ans après l'assassinat de Krim Belkacem, négociateur des accords d'Évian, ou de l'indépendance, 8 ans après l'assassinat de Mohamed Khedor, un jeune intègre la sécurité militaire. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans sa tête? C'est qu'il vient donner des leçons. On n'intègre pas un corps qui a assassiné le négociateur des accords d'Évian pour venir donner des leçons à Seguir. En 92, en 88, les années 80, il était dans le secrétariat du général Bichi. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Il y a sa lettre publiée en 1998, où il accuse le général Bichi d'avoir fui. Il faisait quoi dans le bureau? Il faisait de l'agriculture. Donc, c'est des questions que Kemal Tarouer devait poser en tant que journaliste sincère. Ce qui n'a pas été fait par Berber Télévision. Et c'est ce qu'on reproche aujourd'hui à Berber Télévision. La passivité, la manipulation de l'information. Parce que c'est très facile de faire venir des gens. Mais encore, faudrait-il qu'on pose les bonnes questions. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, faire ces choses. Le militant est devenu le bourreau est devenu le militant ou la victime. C'est le bourreau. Et c'est ce qu'il faut dénoncer. Il ne faut jamais cesser de dénoncer. Hichem Aboud est un agent de la sécurité militaire jusqu'à la fin des temps. Qu'il soit à l'intérieur du système ou à l'extérieur, il a une autre mission. J'ai vu dernièrement
l'intervention du PDG de l'ANEP. Achouki n'est PDG de l'ANEP. Dossier à l'appui. Hicham Aboud a bénéficié de 7 milliards transférés en devise à l'étranger pour le lancement de sa chaîne MLTV. Une chaîne qui devait faire campagne pour Bouteflika. Lorsqu'il était directeur de Mon Journal, comment on a balayé d'un revers de main, comment on a effacé d'un revers de main 4 procès en justice. Comment on l'a fait venir? Comment on lui a financé Mon Journal? Comment on lui a financé Jerry Dati? C'est des questions que Kamel Tarouet devait poser pour informer l'opinion publique sur quel genre de personnage il avait invité ou il avait accueilli dans sa chaîne Berber Télévision. Et c'est un reproche qu'on lui fait. أكان أكا ياسين ثاني هي تسامر دا شو دوغيض دي القلغوني نيك الكوميونيكي أين شدن هشام عبود كي كان يدنسا ثقاغا نتذي ويدي ثكي يذيك ويفان ثوى دينيض أوليك أنقاغو تن مرتيك يا براشيد كوني عن تولي كام نور إسكميل من نور كونر السلام تعديش ديك بطانا جيجي لنا كدي نصوب نخدم في السيرتيفيكني وفي الحال بوي لاق الموفمون ديال اللي تمر لنا ما الا نبغى تزيد نرالو فريدي لاق سي اون فو اوسي سو ديباراسي دو سيستيم ميليتير اي دي اسلاميست غير كي اون رويني لسبوار الجزائريان دوبوي لانديبوندونس ال سي تان ميرتيك ياسين كيكاني لو سات غارا انت دي اوني ديك اكد ياسين اسيوان اي سي 1 نتسمعك كان مازال اخبار دارني ذاك الاخبار انه كيف درس يدير ان مليل يد ساعه وين النظام ما يلين سنتل نظام ما شنو ويش نمثيو ديال القمه ديال التلويث